Yeah.
Hazimi kame, 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 hazimi kame
je me parle de Fémi. Party me time, 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 party
La promesa, 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 la promes
Namia
Hello.
Jerusalem, 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 Jerusalem,
Ce ne sont pas ceux qui sont au milieu de l'arène. Ils sont cachés dans le bois là-bas. Séparés. Les femmes d'un côté, les hommes d'un côté. Les hommes à ma droite, les femmes à ma gauche. Dis à quelqu'un, hey. Tiens. Les femmes à ma gauche. On va faire un concours ce soir. Alléluia. On va faire un concours ce soir. Les gens font concours de beauté. Les gens font concours Miss. Les gens font concours à Oulaba. Les gens font concours Mini. Nous, on va faire concours à l'honneur du Seigneur Jésus. Bon, toi, tu te caches pour danser. Sors des lieux où tu te caches pour danser. Et viens, on va tous danser ici. Le morceau de Mébombébo. On va faire. Tu vas reprendre ça. De grâce, on ne veut pas le mercenaire.
On ne veut pas de mercenaires. On ne veut pas aller chercher quelqu'un à Tosso ou à Salah pour amener ici. On va aller nous chercher le plus grand acheteur de sacre fait. Alléluia. Gloire à Jésus. On se connaît ici. Je connais tous ceux qui ont été baptisés. Je connais tous ceux qui, depuis qu'on est ici, ont assisté à la sainte doctrine. Donc si tu emmènes un mercenaire, on la joue. On le met de côté. Alléluia. Tu vas danser jusqu'à ce que la poussière se soulève et monte jusqu'au ciel. Alléluia. Faut bien lâcher. Je vais bien les chambres là. Ce n'est pas des petites femmes, mais des salles de feu. Alléluia. Nettoyez-les un peu. Donnez-les un peu d'eau. Commence à attacher ta robe. Fais mettre ta robe dans ton truc là. Toi aussi, faut faire monter ton pantalon. Fais monter ça dans ton chapeau. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Bien-aimé n'a pas entendu. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Alléluia. C'est quand je veux. Alléluia. Amen. Seigneur, petit gars, Alléluia. Alléluia, béyim, gamaye. Alléluia. Alléluia, béyim, gamaye. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, I'm gonna make you mine.
I'm gonna go
Regardez papy là
I'm
Mettez-vous sur la droite. Et maintenant, ça va commencer. Les femmes, mettez-vous sur la gauche. Alléluia. Oui, qui était la Bible? C'était qui la Bible? Bon, parmi les hommes, parmi les femmes, qui a gagné? Oh, faut pas te presser. Ah, faut pas te presser. Si elle fait comme ça, tu dis les hommes. Si elle fait comme ça, tu dis les femmes. Si elle fait comme ça, tu dis Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Donc je repose la question. C'est une question pertinente. Alléluia. Feu sur elle. Ensemble. Alléluia. On dit les hommes, vous faites quoi parmi les hommes? Il y a quelqu'un qui est homme ici. Les filles voient. Maman triomphe, toi aussi tu es homme. Ma fille, toi aussi tu es homme. J'ai dit les hommes à ma droite. Vous êtes à ma droite. Oh, vous êtes des femmes. Alléluia. Fille de musulmans de ce village. C'est comme ça que nous, on attend notre Jésus. L'héritage de vous, c'est en Jésus. Alléluia. Tous les musulmans de Fala et que le Seigneur Jésus les sait et que la véritable vie c'est en Jésus. Mais Dieu, attends, les Américains disent slowly. Quand je fais comme ça, donc on s'est compris, quand je fais comme ça. Donc ce match, qui a gagné? 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 Jésus,
I'm gonna go to the hospital.
Pourquoi le Seigneur veut que tu l'acclames? Dans les mains de plusieurs, il y a des chaînes. Dans les mains de plusieurs, il y a des chaînes. Dans les mains de plusieurs, il y a des menottes. Oui, l'ennemi t'a enchaîné au niveau des poignets. L'ennemi t'a enchaîné au niveau des poignets. L'ennemi t'a menotté au niveau des poignets. Regarde, pendant que tu sois en train d'acclamer le Seigneur Jésus, ces chaînes vont être brisées. Bien-aimé, c'est les chaînes de la pauvreté. C'est les chaînes de la limitation. C'est les chaînes de l'indigence. C'est les chaînes de perpétuel recommencement. C'est les chaînes de la misère. C'est les chaînes de fausses accusations. C'est les chaînes de l'emprisonnement. C'est les chaînes de l'entêtement. C'est pourquoi je t'en prie, acclame-le de toutes tes forces. Acclame-le de toutes tes forces. Parce que par le temps, les chaînes sont brisées. Thank you.
Qui sont en train d'être retirés de vous-même. D'autres envoient des chaînes en train d'être brisées. Bien-aimé, c'est la chaîne du célibat. C'est la chaîne de la stérilité. C'est la chaîne de l'envoûtement. C'est la chaîne de l'échec. C'est la chaîne de la confusion. C'est la chaîne de la misère. C'est la chaîne de la pauvreté. C'est la chaîne de la confusion. C'est la chaîne des perpétuels. C'est la chaîne des accusations. C'est la chaîne de la condamnation. C'est la chaîne de l'impunicité. C'est la chaîne des mauvais sorts. C'est la chaîne des enchantements. C'est la chaîne de la maladie. C'est la chaîne de l'envoûtement. C'est la chaîne de la mort. C'est la chaîne de la mort. C'est la chaîne de la mort. C'est la chaîne de la mort, 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 c'est la chaîne de l'échec, c'est la chaîne de l'échec, c'est la chaîne de l'échec, c'est la chaîne de la confusion, c'est la chaîne de la confusion, c'est la chaîne du célibat, 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 c'est la chaîne du chômage, c'est la chaîne du chômage, c'est la chaîne du chômage, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne de la mort, c'est la chaîne de la mort, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne de la confusion, qui est brisé, qui est brisé, qui est brisé, qui est brisé à tes poignets, qui est brisé à tes poignets, par l'instant, qui est brisé à tes poignets, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne de l'échec, c'est la chaîne de l'envoûtement, c'est la chaîne du retard, c'est la chaîne du sommeil, c'est la chaîne de la confusion, c'est la chaîne du chemin, c'est la chaîne de force accusée, c'est la chaîne de perpétuité. C'est la chaîne de la maladie, 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 c'est la chaîne de l'enfant, c'est la chaîne des sorts, c'est la chaîne des sorts, c'est la chaîne des sorts, c'est la chaîne de l'enfant, c'est la chaîne de la sorcellerie, c'est la chaîne de la mort, 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 à son poignet, à son poignet, à son poignet. À son poignet, à son poignet, à son poignet, à son poignet, à son poignet. Prends le Saint-Esprit de Dieu. Prends le Saint-Esprit de son travail. Maintenant le défenseur fait son travail. Maintenant le défenseur fait son travail. Maintenant le défenseur fait son travail. Brisez les chaînes à le poignet. C'est à le poignet que vous devez briser les chaînes. Concentrez-vous sur le poignet. Concentrez-vous sur le poignet. Laissez les autres partir. Concentrez-vous sur le poignet. C'est là que se trouvent les menottes. C'est là que se trouvent les chaînes. Les chaînes de fausses accusations. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes du célibat. Les chaînes de la mort. Les chaînes de l'échec. Les chaînes du repas. Les chaînes des sortilèges. Les chaînes des enfouissements. Les chaînes des perpétuels recommencements. Les chaînes du célibat. Les chaînes de la stérilité. Les chaînes de fausses accusations. En leur poignet. Brisez-les en leur poignet. Brisez-les en leur poignet. Brisez-les à le poignet, les chaînes des confusions, les chaînes de la limitation, les chaînes des perpétuels, les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes de fausses accusations, les chaînes du retard, les chaînes du retard, les chaînes des destinées volées, 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 les chaînes des destinées volées,
Tout à l'heure, nous avons fait une vidéo, celle de Nayeli Gomez, dont le Seigneur Jésus, à l'âge de 11 ans, l'a prise et l'a amenée à l'enfer, afin qu'elle voie bon nombre de choses qui, je l'espère, vont t'édifier et vont t'amener à te remettre en cause, à rentrer en toi-même et à te poser les bonnes questions. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 10, verset 31 dit : soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout dans la gloire du Seigneur Jésus. Faites tout pour la gloire du Seigneur Jésus. Dans la position dans laquelle tu es, tu vas élever la voix et bénir le nom du Seigneur Jésus, qui depuis le début de cette croisade n'a pas cessé de te démontrer sa fidélité, sa bonté, sa grandeur. N'a pas cessé de te montrer combien de fois il t'aime, combien de fois il est prêt pour toi, combien de fois il t'a défendu. Aujourd'hui même, après avoir entendu et vu beaucoup de choses concernant la sainte doctrine, tu as réalisé même que quand tu étais dans le monde, le Seigneur a pris la peine de veiller sur toi jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'à la base, tu étais son fils. C'est parce qu'à la base, tu t'es marqué de son sceau. C'est parce qu'à la base, il t'avait déjà choisi depuis le sein de ta mère, avant même la fondation du monde, afin que tu le serves en esprit, en vérité. C'est pourquoi ce soir, mon bien-aimé, je t'exhorte à élever la voix et à célébrer le véritable Dieu, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, prions. Adore-le, dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Dis-lui merci. Lui qui a veillé sur toi. Lui qui n'a pas permis que le malheur t'affecte. Lui qui n'a pas permis que la mort soit te partagée. Lui qui était là. Et puis le début de ton appel jusqu'à ce moment. Enlève la voix et bénis sur ce. Lève la volonté et glorifie-le. Oh, lui, dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour la force que tu as. Dis-lui merci parce que grâce à lui aujourd'hui, tu as la sainteté. Dis-lui merci parce que c'est grâce à lui que tu as la force.
Tu lui remercies parce que c'est grâce à lui que tu arrives à comprendre aujourd'hui la parole de Dieu. Tu lui remercies parce qu'à l'époque, tu étais égaré. À l'époque, tu étais en Égypte. Mais aujourd'hui, par sa grâce, il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'amène aujourd'hui sur le chemin de Canaan. Tu as dit dans la cité céleste. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tu l'as écouté la voix. Et tu vas lui dire merci. Oui, tu vas lui dire merci. Parce que quand tu regardes ta famille, tu es l'une des seules personnes qui aujourd'hui à qui le Seigneur fait la grâce de te révéler. Le Seigneur est à toi. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. Merci à Jésus pour tout ce que tu as fait. Si je puis, c'est toi, c'est toi. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, mon bien-aimé. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Rends-lui grâce parce qu'à l'époque où tu étais une fouleur, à l'époque où tu étais une prostituée, un adultère, un infidèle, un masturbateur, à l'époque, bien-aimé, tu étais un épidémique idolâtre. À l'époque, tu allais chez les marabouts, tu allais de voir les bons marabouts. À l'époque, bien-aimé, tu étais frappé d'une maladie dont tu devais mourir. Bien-aimé, tu as fait un accident ou en principe, tu devais mourir. Mais l'un dans l'autre, le Seigneur a toujours été là pour veiller sur toi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a été là à chaque minute de ta vie, à chaque instant de ta vie, à chaque seconde de ta vie. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le défenseur, l'Esprit de vérité, le consolateur, a toujours été là pour veiller sur toi. C'est pourquoi, bien-aimé, reproche-toi dans ton passé. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Et ne te tarie pas, ne te tais pas. Père, ne te mets pas dans le silence. Élève la voix et tu le remercies. Tu lui attends la voix, Yoka. Tu lui attends la voix, Yoka. Tu lui donnes les prières de Rossé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va encore dire merci au Seigneur Jésus. Et voilà, Israël, merci. Le livre de Somme 29, verset 2 dit. Somme 29, verset 2. Il va avoir le corps. Il va avoir le corps. Moi-même, je ne comprends pas où les élèves étaient trompés. Somme 29, verset 2 dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Bien-aimé, tu vas te prosterner. Et dis merci encore au Seigneur Jésus. Lui dit merci pour ta famille. Lui dit merci parce qu'il a commencé à faire beaucoup de choses autour de toi. Tu lui infiniment merci. Pour ton époux. Pour ton épouse. Pour tes enfants. Pour tes proches. Pour ta belle famille. Pour tous ceux qui sont autour de toi. Élève la voix et célèbre le nom du Seigneur Jésus.
Et lève la voix et glorifie le nom de Jésus. Dans cette position prosternée. Et lève la voix et bénis le nom du Seigneur Jésus. Dieu merci, Seigneur, merci. Dieu infiniment merci. Dieu infiniment merci. Oui, parce qu'il a commencé à faire dans la vie de ta famille. Parce qu'il a commencé à faire dans la vie de tes proches. Regarde depuis un moment. Quelques-uns des membres de ta famille ont commencé à s'attacher à la vérité. Ils sont en train de venir un peu plus. Ils sont en train de venir un peu plus. Il y a quelques années de cela. Ils ne voulaient rien entendre. Il y a quelques années de cela. Tes proches te maudissaient. Ils se moquaient de toi. Mais que plus un moment, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans le livre de Proverbes 21, le verset 1, que le cœur des rois, le cœur des rois de l'homme, sa mère, et il est tourné là une fois. Le marque de plus un moment, quelques-uns des membres de ta famille ont commencé à s'intéresser à sa bêtise. Quelques-uns des membres de ta famille ont commencé à se plier. Commence par te poser des questions. Commence par s'intéresser. Commence par écouter la voix du Seigneur Jésus. Tes enfants ne voulaient pas venir à la scène de Dieu. Depuis un moment, l'Esprit de Dieu a commencé à les toucher. Ça ne peut pas tu lever la voix. Et lui dit infiniment merci pour ton papa, pour ta maman, pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes fils, pour tes filles, pour tes proches, pour tes collègues de service, pour tes amis de classe, pour tes amis au quartier, pour tes voisins qui ont commencé à tirer par la scène de tri. Tu lèves la voix. Tu célèbres le Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur Jésus, je veux louer ton nom ce soir. Mon âme te dit merci. Seigneur, mon âme te dit merci pour la santé que tu donnes à chacun de nous. Mon âme te dit merci, Seigneur, pour la force que tu donnes à chacun de nous. Mon âme te dit merci parce que c'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons cette intelligence qui nous amène à nous soumettre à tes commandements et à tes lois morales. Père éternel, à l'époque, nous étions perdus, errants, bien loin de la vérité. Bien loin, éternel, mon Dieu, mon roi de ta lumière. À l'époque, Seigneur, nous étions des voleurs, des menteurs, des hypocrites. À l'époque, Seigneur, nous étions dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la sorcellerie. À l'époque, nous étions dans les jeux de loto, dans l'alcool, dans l'infidélité, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue et dans beaucoup de choses qui donnent la mort éternelle. Mais Seigneur, par ta grâce, oui, par ta grâce, Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu nous as appelés. Tu nous as appelés à te servir. Tu nous as appelé à t'adorer. Tu nous as appelé à te célébrer. Tu nous as appelé à t'honorer. Tu nous as appelé à te vénérer. Tu nous as appelé à t'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi ce soir, je demande à l'assistant de t'acclamer, de te célébrer, de te vénérer. Je te demande, Seigneur, oui, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Je te demande, Seigneur Jésus, de ne pas nous oublier. Lorsque tu viendras prendre ton épouse, lorsque tu viendras prendre ton église, le jour de l'enlèvement, le jour où la tempête sonnera, aucun d'entre nous ne se perd. Qu'aucun d'entre nous ne se perd, qu'aucune de tes bénis, ô Seigneur, ne se perd. Que tous ensemble, Seigneur Jésus, nous soyons enlevés à ici à l'éternité. Et que tous ensemble, nous soyons assis à la table des noces, te célébrant, te mourant, te vénérant, te magnifiant, te priant, te contemplant, te disant infiniment merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit
Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Premier Jésus-Christ a permis. Après le sucre, qu'elle aille en enfer. On voit une réelle canon. Et que là-bas, non, qu'elle découvre des choses horribles. On nous sent la bêtise, la bêtise, le souhait. Pour une gamine de 11 ans. Donc, t'as là qu'on voit faire un cauchemar, c'est quelque chose de terrible. Or, elle, dans son cas, il y a nous. Pendant 23 heures. Après, allez, tu dors à Blaunissant. Pendant 23 heures. Dors à Blaunissant. C'est-à-dire une journée complète. Et passer via le Seigneur va lui permettre de visiter l'enfer. Et de découvrir des choses effroyables. Elle en parle en étant traumatisée. Elle en parle en étant effrayée. Elle en parle en étant terrifiée. Parce que pour son âge, c'est inadmissible que de faire le mais le Seigneur lui a permis de voir cela afin que par son témoignage tu comprennes que le Seigneur saigne Jésus Christ et lorsque tu tombes dans le péché bien aimé tu te rapproches de plus en plus de l'enfer lorsque tu tombes dans le péché lorsque tu tombes dans l'orgueil lorsque tu tombes dans la colère lorsque tu tombes dans la haine lorsque tu tombes dans l'idolâtrie, lorsque tu tombes dans la calomnie, lorsque tu tombes dans la jalousie, lorsque tu tombes dans l'impudicité, tu te rapproches. En tout cas, je vois vraiment ton siffle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder. Je vais te permettre d'apprécier toi-même ce témoignage de Naïli. Là, le sang. Et par ce témoignage, là, le tu vas tirer des leçons. Ah, ça, en gros, là. Alléluia. Amen. Ça va tout le monde voir. Je ne peux pas faire le jeu, ça va. Mi nombre es Nayeli Gómez Utu. Mon nom est Nayeli Gómez Utu. J'ai 11 ans. Hermanos, hermanos. Mes frères, mes sœurs. Familias en Cristo. Famille en Christ. Personas de todo el mundo. Les personnes du monde entier. Mis cordiales saludos. Recevez mes salutations distinguées. Hermanos, je veux vous dire, mes frères, qu'avant, à l'enfant que je suis, j'ai vu mettre des boucles d'oreilles. Hasta con ruegos, je suppliais même, je pleurais à mes parents afin qu'ils me l'achètent. Avec mon argent de poche, je l'achetais. J'aimais mettre des vernis. Me gustaba echarme los perfumes de mis padres. J'aimais mettre les parfums de mes parents et de mes tantes. Me gustaba cortarme los cabellos. J'aimais beaucoup me couper les cheveux et même sans l'autorisation de mes parents. Me gustaba ver mis Barbies. J'aimais beaucoup regarder mes Barbies. Je regardais toutes sortes de dessins animés. Je regardais les telenovelas et même les combats. Et des fois, pour voir ces choses, je n'allais pas à l'église. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses du monde, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que les gens qui ont pratiqué, les parents qui ont regardé le sport, et les mamans qui ont regardé les telenovelas, les jeunes qui vont en boîte, les enfants qui regardent leurs dessins animés et qui sont morts aujourd'hui, ils sont en
l'enfer. J'étais témoin de cela. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Celui qui confie en lui, il ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu ce que la jeune Naïli Gomez vient de dire. Elle dit qu'elle aimait les boucles d'oreilles. Et elle suppliait ses parents pour lui en acheter. Elle dit elle-même, elle utilisait son argent de poche pour acheter les boucles d'oreilles, pour acheter des vernis. Alléluia. Elle dit qu'elle aimait ça. Elle dit aussi qu'elle aimait les bandes dessinées de poupées Barbie. Et à cause de cela, elle n'allait pas à l'église. Elle passait tout son temps devant la télévision à regarder les bandes dessinées et les tenues de Vélas. Alléluia. Et pour ça, le Seigneur l'a fait visiter l'enfer. Pour ça, le Seigneur l'a emmené en enfer. Et en enfer, elle a vu des gens qui aimaient le football. Elle a vu en enfer des gens qui aimaient le sport. Des gens qui aimaient boire l'alcool. Elle a vu en enfer des gens qui aimaient aller en boîte de nuit. Des gens qui aimaient le monde. Elle a vu en enfer des gens qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus. Jésus. Et qui ne marchait pas dans ses voies. Bien aimé, le livre de 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 10 dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils seront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. Bien-aimé, je vais te laisser suivre la suite. Et à chaque fois, je vais mettre une pause. Et ensemble, on va décortiquer chaque département de l'enfer où le Seigneur l'a envoyé. Mes frères, je t'invite à fermer tes yeux et à te mettre debout pour que tu m'aides à faire une courte prière afin que je commence mon témoignage. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton esprit vienne sur moi afin que je puisse témoigner ce que tu as fait avec moi. Prends le contrôle de mon être afin que je puisse témoigner. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Ceci est mon témoignage. Le 29 juin 2013, cette année, moi, mon frère et moi, nous venons à l'église et mes parents ne sont pas venus. Nous sommes partis à l'arrière de l'église. Quand nous sommes arrivés, au moment où ils disaient au revoir, on a enseigné à prier. D'un coup, j'ai vu le visage d'un démon qui me disait, viens, 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 je vais te rendre heureuse, viens, viens. Et je lui ai dit à mon frère, regarde le visage, le visage. Mais le frère me disait, mais
Quel visage, quel visage n'alliez-vous? Et le démon continuait à parler, il disait, viens, viens. Viens, je vais te rendre heureuse. Et j'écoutais que le frère a dit à un des enfants, battez le pasteur. À ce moment-là, j'ai perdu la notion du temps et j'étais dans un endroit tout en noir. J'entendais des pas, on pouvait entendre des pas. Le démon qui m'avait parlé, maintenant je pouvais le voir tout son corps. Et il me disait, viens, 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 je vais te rendre heureuse. Et je lui ai dit, je ne veux pas partir avec toi, je veux partir avec mon Seigneur. Mais il continue à parler et il disait, viens, viens. Il m'a pris par le bras. Tout mon corps était en feu. Il a ouvert une porte. C'était une grande porte. C'était pas une petite porte. Alléluia. Bien-aimé, elle dit que le démon qui lui a demandé de venir et qui lui a pris par la main a ouvert une grande porte. Elle a dit que la porte était très grande. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu 7, verset 13 à 14, il est dit ceci. Entrez par la porte étroite. Il est dit que la porte qui amène au ciel est étroite. Il est dit qu'elle est comme le trou d'une aiguille. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent ça. La porte dont Matthieu 7, verset 13 parle. Le Seigneur a permis à Naïli Gomez de voir cette grande porte-là. Elle a dit que la porte était très grande. Et le démon lui a fait passer. Elle a fait passer par cette porte. Il est dit au verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Tu as trouvé cette petite porte. Tu as trouvé cette porte étroite. Tu as trouvé cette porte qui a la taille d'une aiguille. Et par la seule doctrine, tu vas arriver à rentrer par cette porte. Tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Elle va commencer à décrire l'enfer. Et là, on écoute des cris qui disaient pitié, pitié, miséricorde. Elle va décrire l'enfer. Et le Seigneur va lui permettre de rencontrer quelques-uns des membres de sa famille. Pitié, pitié. L'odeur était nauséabonde, une odeur désagréable. Elle dit que l'odeur là-bas était nauséabonde. Quand on lit Ésaïe 3, verset 4, il est dit au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de parfum, le livre d'Ésaïe 3, verset 24, par des conditions qu'on retrouve dans le sujet de mort. Et c'est pourquoi il est dit au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Au lieu de beauté, ce sera la laideur. Et je ne voulais pas rentrer dans cet endroit. Mais quand j'ai voulu cligner l'œil, j'étais déjà dedans. Il y avait des chambres, section par section. Le démon qui m'avait emmené n'était plus là.
Il y avait des personnes. Il y a eu une luz brillante Il y avait des personnes et des démons, et il y avait, et d'un coup, il y a une belle lumière qui est venue, et je ne pouvais pas voir ses pieds. C'était une belle lumière. Je ne pouvais même pas voir les vêtements. Bien-aimée, elle a dit que quand elle était en enfer, elle a vu une lumière. Quand on lit le livre de Jean 8, au verset 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et donc, par cette lumière, elle va comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui l'a jeté en enfer afin qu'elle soit témoin de tout ce que tu vas entendre. Alléluia. Il m'a dit, tu seras la lumière du monde. Tiens près de moi, et je me suis approché. Et il m'a dit, tu vas raconter tout ça, tout ce que tu vas voir. Et je lui ai dit, pourquoi pas mes parents, mon frère. Et le Seigneur Jésus m'a dit, je t'ai choisi. À ce moment-là, des démons, ils emmenaient une personne. Et cette personne était âgée et elle était enchaînée depuis sa tête jusqu'aux pieds. Sa bouche était collée, il ne pouvait pas parler. Et il me fixait. Avec son regard, il me disait, échappe-toi, va-t'en d'ici, échappe-toi. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus, qui est-ce, le monsieur? Et le Seigneur m'a dit, c'est ton grand-père. Quand il était sur terre, on lui a parlé de moi, mais il m'a ignoré. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment est-ce que mon grand-père peut être ici? Comment est-ce que mon grand-père peut être ici? Et le Seigneur m'a dit encore une fois, on lui a parlé de moi et il a ignoré. On l'a emmené dans une chambre noire. Et là, ils ont mis un autre monsieur. Et ce monsieur était plus jeune. Il était aussi enchaîné depuis la tête jusqu'aux pieds. Lui, il parlait et il me disait, échappe-toi, va-t'en d'ici. Échappe-toi. Nayeli, échappe-toi, va-t'en d'ici. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur qui est-ce? Et le Seigneur m'a dit, c'est ton oncle. Et je lui ai dit, mais lequel de mes oncles? Et le Seigneur m'a dit, le père de ta cousine. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, lorsqu'on lit Josué 24, verset 15, quand Jésus est là, non, il est dit, nous. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères,
au-delà du fleuve, où les dieux des Amoréens, dans les pays dans lesquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'État. Le Seigneur va lui montrer son grand-père paternel. Le Seigneur va lui montrer ensuite son oncle, pour lui dire que voici quelques membres de ta famille qui malheureusement n'ont pas suivi la scène doctrine et qui sont en enfer. C'est pourquoi toi, qui es passé par les eaux du baptême, tu as confessé le nom du Seigneur. Mais tant que tu connais la vérité, tu ne dois pas te taire. Tu dois aller parler à ta famille. Tu dois appeler les hommes de Dieu et aller rencontrer ta famille. On leur dit, j'ai découvert la vérité et je ne veux pas aller seul au ciel. Je ne veux pas que vous vous égariez. Je ne veux pas que vous vous perdiez. C'est pourquoi j'ai emmené mes pasteurs afin de vous révéler la vérité. Et cette vérité-là, c'est la sainte doctrine. Si vous l'acceptez, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous acceptez. Mais si vous la refusez, c'est le diable que vous acceptez. Alléluia. Donc, quand tu vas sortir d'ici, commence par t'organiser avec les sociétés afin d'aller rencontrer ta famille. Afin que la sainte doctrine leur soit prêchée, qu'eux aussi soient sauvés comme toi. Alléluia. Et il a dit, comment est-ce que ma famille peut être ici? Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, je laisse entre tes mains la vie de ta famille. Entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Donc ils ont pris mon oncle, ils l'ont mis dans une chambre noire. Et sans coup, le Seigneur n'était plus là. J'étais toute seule. Et je regardais dans tout de partout et il n'était pas là. Je cherchais cette lumière. Et là, 5 démons sont apparus. Certains se moquaient et d'autres parlaient. Et ils disaient, tu vas rester ici, tu vas venir ici. Et je leur disais, non, je ne vais pas venir ici. Ils m'ont mis dans une chambre. Ils m'ont mis sur une table. Il y avait beaucoup de femmes et peu d'hommes. Il y avait un grand démon et il a pris. Bien aimé, elle dit que lorsqu'elle était dans le séjour des morts, elle a constaté quelque chose. Malheureusement, il y avait beaucoup de femmes. Mais il y avait peu d'hommes. Regarde l'église de Fala. Compare les hommes aux femmes. Quand tu regardes, il y a moins de femmes que d'hommes ou il y a plus de femmes que d'hommes. Regarde, il y a plus de femmes que d'hommes ou il y a moins de femmes que d'hommes. Mais je veux que tu me dises, regarde toi-même. Les femmes sont plus nombreuses. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ou ce sont les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Regarde ce soir toi-même, regarde. Je veux que tu me dises. Non, je veux que tout le monde me dise en même temps. Alléluia. Amen. Il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Maintenant, ce qui est bizarre. Et ça, le Seigneur Jésus nous l'a dit en pleurant. Il nous a dit, plusieurs de ses servantes, des millions et des millions, ont raté le ciel et sont aujourd'hui en enfer à cause de certains comportements qu'elles ont dans l'église. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a plus de femmes en enfer que d'hommes. Alléluia. Sois fortifié. Un grand coup de marteau, il a commencé à faire un trou dans mon oreille. Et ils m'ont mis une boucle d'oreille qui arrivait jusqu'à mes pieds. Elle dit, il y a un témoin qui a pris un gros marteau.
Tu as frappé dans le trou de ses oreilles. Et ils ont percé ses oreilles. Jusqu'au niveau de ses pieds. Et elle souffrait de douleur. Je vais t'expliquer pourquoi s'il y a beaucoup plus de femmes en enfer que toi. À cause des bijoux. À cause des boucles d'oreilles. À cause des chaînes. À cause des perles aux reins. À cause des chaînes aux pieds. À cause des chaînes au cou. C'est à cause de ça que beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur salut. Il ne faut pas que toi, après notre départ d'ici, que quelqu'un vienne te dire, non, tu peux porter les chaînes, tu peux porter les boucles d'oreilles. Il faut prier dessus d'abord, avant de porter. Si tu fais ça, là où le Seigneur envoie une aïe de baisse, tu risques d'arriver là-bas. Alléluia. Je criais. Pourquoi, Seigneur, tu m'as laissé? Regarde ce qu'ils me font. Regarde ce qu'ils me font. Cette boucle d'oreille pesait. Ils m'ont mis des boucles d'oreilles partout. Et ils m'ont mis des bagues. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on lit Exode 32, verset 2 à 3, il est dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous sautaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Et Ézéchiel 7, verset 19 à 22 dit, ils jetteront leur argent dans les rues. Et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leurs âmes, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur souffrance. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué des images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et habité aux épis de la terre afin qu'il la profane. Je te tournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Les furieux y pénétreront et le profaneront. Elle dit qu'en enfer, les boucles d'oreilles qu'elle aimait porter, les démons lui faisaient porter la même chose. Mais il déchirait tout son corps. Et les boucles d'oreilles qu'elle portait, c'était lourd. Ça faisait qu'elle ne pouvait pas les supporter. Et elle souffrait. Elle souffrait. Elle pleurait, elle criait, et il n'y avait personne pour venir en aide. Alléluia. Les jeunes filles qui mettent des bagues sans être mariées, aux jeunes. Elle a dit les jeunes filles qui mettent des bagues sans être mariées. À l'époque, quand elle disait ça, elle ne savait rien de la scène doctrine. C'est une petite fille que le Seigneur a mis dans le séjour des morts. Il n'a fait que relater ce qu'elle a vu. Mais plus tard, le Seigneur va lui dire que même les bagues, ceux qui sont mariés ne peuvent pas les porter. Même les bagues, ceux qui sont mariés ne peuvent pas les porter. Alléluia. Amen. Plus tard, elle a fait une vidéo pour rectifier cela. Donc, voyez ici, on voit la photo de quelqu'un. C'est un être vivant. Hein? Mais quand on le voit, on dirait un démon. Il a rasé une partie de ses cheveux. Il allait voir un médecin. Ils lui ont mis des boules dans la tête. Ils ont rasé ses sourcils. Regardez son visage. Ils ont tatoué son sourcil. Ils ont fait des tatouages dans ses yeux. Comme les yeux des démons. Il a mis un anneau dans son nez. Regardez ses oreilles. Il a fait le gros trou dans ses oreilles. Et il a mis des anneaux dans ses oreilles. Et il a fait opérer son nez.
Mais dans son nez, il a mis du métal. Et il a fait allonger ses sourcils à vie. Il a imprimé. Il a tatoué ses lèvres noires. Et tout ce qu'il a fait dans son visage, on ne peut plus jamais les effacer. Mais lorsque tu vas celui-là, il n'y a pas de différence entre lui. Il dit, et une jeune fille qui est maquillée devant le Saint-Esprit, c'est le même péché. C'est une abomination. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes 8, verset 10 à 11, il est dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, le plus précieux, par la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alléluia. Suis la suite. Il mettait un clou dans sa langue et il faisait un trou. Il en mettait aussi une boucle d'oreille. Mais le cœur. À toi, jeune, à toi, jeune fille, à toi, ma sœur, qui aime mettre des bagues sans être mariée. Tu aimes mettre des boucles d'oreilles. Toutes ces personnes sont en enfer, toutes ces personnes qui mettent des bagues et des boucles d'oreilles. Et ils m'ont mis dans une autre chambre. Ils m'ont demandé. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le diable veut que tous les hommes sur la terre portent des bijoux. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi. Ézéchiel 28, verset 11 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettrais un saut à la perfection. Tu mettais un saut à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. Parfait en beauté. J'étais en Éden. Le jardin de Dieu. J'étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. J'étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. C'est ça. De saquon, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or, des tambourins, des flûtes. Était à ton service. Préparé pour le jour où tu fus prié. Mesdames, ce que tu as entendu, c'est la description de Lucifer. Lucifer, il nous a dit. C'est sur Lucifer. Lucifer, il y avait de l'or. Il y avait du diamant. Il y avait de l'onyx. Il y avait toutes les pierres précieuses. Mais ceux à qui le Seigneur fait la grâce de voir Lucifer, c'est de plus sur la prière pour. Et la Bible dit que c'est à cause de sa beauté parfaite qu'il a pensé qu'il pouvait avec le Seigneur Jésus. Et c'est à cause de cela que l'orgueil a fait tomber. Et c'est pourquoi il pousse les êtres humains à porter de l'or, à porter du diamant, à porter du métal, à porter de l'onyx, à porter du bronze, afin que par l'orgueil, que toi aussi tu tombes. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu portes ces choses. Parce que le premier caractère qui est derrière toutes ces pierres précieuses, c'est l'orgueil. Alléluia. Maranatha. Jésus le dit. Mathieu, tu vas venir sur tous ceux qui dorment. Tiens pas du bout. Alléluia. Le Dieu que tu adores, celui que tu sers, est-ce qu'il existe? Et je leur ai dit, oui, mon Dieu existe. Et par le ciel.
C'est parce que j'ai dit la vérité, ils m'ont coupé la langue. Bien aimé, elle a été envoyée dans la salle des menteurs. Hier, on parlait de département. Ils sont dans le séjour des morts. De chaque département. À la taille d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Et en fonction des péchés que tu as eu à faire. Si tu t'appelles Kofi Yao, c'est le Saint. Et que dans ta vie, tu as eu à faire 30 péchés. Lorsque tu meurs, on t'envoie dans 30 départements. Ils sont 30 lieux. Tu as péché. Donc si de ton vivant, tu étais menteur, tu étais voleur, tu étais masturbateur, quand tu meurs, on t'amène dans le département des menteurs. Les démons te maltraitent là-bas. Après on t'amène dans le département des masturbateurs. Les démons te maltraitent là-bas. Après on t'amène dans le département des voleurs. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Tu vas de souffrance en souffrance. De douleur en douleur. De pleurs en pleurs. Le regret, et c'est ce que le Seigneur va faire vivre à Naïli Gomez. C'était dans la chambre des menteurs. Ils m'ont coupé la langue parce que les gens là-bas devaient mentir. Celui qui disait la vérité, on lui coupait un bout de la langue. À toi, jeune, à toi, jeune fille, jeune garçon, qui aime mentir à tes parents, à ton prochain. Ces personnes sont en enfer parce qu'ils ont menti. Ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans une autre chambre. Bien aimé, le livre d'Éphésiens 4, verset 25 dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Ils vont maintenant l'envoyer dans la salle de ceux qui boivent l'alcool et de ceux qui s'enivrent. Alléluia. Il y a des gens qui disent que c'est s'enivrer qui est un péché. Mais tu peux boire l'alcool. Et là, tu peux pas vivre en enfer. Alléluia. Ils étaient en train de chanter, mais quand ils chantaient, leurs bouches s'enfonçaient. Et là, ils devaient boire un acide. Et là, il devait boire sans s'arrêter. Bien aimé, avant-hier, lorsque tu écoutais le témoignage de Linda, elle dit les démons l'ont torturé. Ils l'ont torturé. Et après, ils lui ont présenté une bouteille de pierre bien glacée. Bien glacée, bouteille de pierre. Et puis ils lui ont dit Linda, sur la terre, tu veux boire, n'est-ce pas? Ah non, non. Voici une bouteille de bière pour toi. Bien, pour et comme elle avait soif, comment et que c'était sa bière préférée sur la terre. Quand elle a vu la bière, c'était bien glacé. Et puis on voyait les bulles dans la bouteille. Elle s'est dit, je vais pouvoir étancher ma soif. Elle dit, lorsqu'elle a bu la bière, mon bien-aimé, ce n'était pas de la boisson. C'était de l'acide qu'elle était en train de boire. Et pendant qu'elle était en train de boire l'acide, ça commençait à détruire ses entrailles. Et la douleur était intense. Et elle criait. Et pendant qu'elle criait, les démons se moquaient. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui se moque comme les démons. Alléluia. Lorsqu'on lit le passage d'Ésaïe 5, verset 11, il est dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons et les vents, et qui bien avant la nuit
sans échauffer par le vin. Alléluia. Et Habakkuk 2, verset 15 à 16 dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse son outre et qui le dise, afin de voir sa nudité, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Toi aussi toi-même, et te couvre toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Amen. Et donc tu vas savoir quand tu es en tant que chrétien, tu ne peux pas boire de l'alcool, et puis tu ne peux pas non plus t'enivrer. Et si dans le passé tu avais fait cela, tu dois te repentir de cela. Amen. Amen. Et quand il s'agissait de boire, les démons leur ouvraient la bouche et ne faisaient boire plus. Ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans un autre endroit. Toi, monsieur, qui va dans les fêtes et qui boit beaucoup, qui boit de l'alcool, si tu meurs sans te repentir, tu seras en enfer. Tu bois sans t'arrêter. On m'a sorti de là, m'a emmené dans une autre chambre. Et là, il y avait toutes les classes de personnes. Des jeunes filles, des jeunes garçons, il y avait toutes classes de personnes. Les démons leur donnaient un temps et ils devaient ramener quelque chose. Et s'ils ne ramenaient pas quelque chose, on leur coupait la main. Gloire à Jésus. Ils vont l'amener dans la salle des fouleurs et des fouleuses. Dis à quelqu'un, la salle des fouleurs et des fouleuses. C'est son cœur. Dis à ton frère, la salle des fouleurs et des fouleuses. Et c'est là-bas qu'ils l'ont emmené. Et les démons disent aux voleurs et aux voleuses, allez voler quelque chose en enfer, mais n'allez pas loin. Et puis revenez. En enfer, tu vas voler quoi? Il fait noir. Tu ne vois même pas devant toi. C'est le feu. C'est la souffrance. Comment dans un endroit noir où tu ne vois même pas même ton démon, tu peux aller prendre quelque chose pour amener aux démons? Et quand les gens revenaient sans avoir volé un objet, les démons coupaient leurs mains et les gens soufflaient. La main qu'on coupe, ça repousse. Et puis on coupe encore. Et c'est là-bas qu'ils l'ont amené. Le livre de Job 24, verset 16. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Alléluia. C'est pourquoi le livre d'Exode 22 te dit, si tu avais déjà volé ton papa, si tu avais déjà volé tes parents, là où tu travaillais, si tu avais déjà volé tes patrons, tu vas te repentir de cela et faire la restitution. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Tiens-toi du bruit, ça va te faire du bien. Non, faut pas t'asseoir. Là, c'est pour moi une pierre qui devait leur emmener. Il fallait pas qu'ils sortent loin pour voler. Il fallait qu'ils volent là où ils étaient. Ils m'ont sorti de cette chambre. Alléluia. Proverbe 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Celui qui vole son papa ou sa maman et puis qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Donc si par le passé tu avais déjà volé ton papa et ta maman, tu dois aller les voir s'ils sont encore vivants et leur demander sincèrement pardon et faire la restitution de tout ce que tu as volé. Il faut l'amener dans une autre salle. Tu vas te bouger quelque
quelque chose. Moi, jeune fille, jeune. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Il aime voler à tes parents. El infierno, todas las personas que han robado. En enfer sont toutes les personnes qui ont volé. El infierno es las personas que han robado a sus padres. Toutes les personnes qui ont volé à leurs parents, qui ont volé à leurs prochains, ils sont en enfer. Et on m'a sorti de là. Et ils m'ont mis dans un côté. Écoute ce que le Seigneur va lui montrer. Elle va voir quelqu'un. Et là, il avait des personnes. Et les démons m'ont poussé. Et là, j'ai commencé à crier. Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici, Seigneur. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé, Seigneur? Mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Les démons me disaient, tu vas rester ici. Tu vas venir ici. Et je leur disais, je ne vais pas rester ici. Je vais partir avec mon Seigneur. On m'a sorti de là. Et là, le Seigneur est venu. Et je lui ai dit, Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Pourquoi tu m'as laissé, Seigneur? Pourquoi tu m'as laissé? Et le Seigneur ne m'a pas répondu. Et je lui ai dit, Seigneur, sors-moi d'ici. Et le Seigneur m'a dit, tu dois encore des choses, tu dois encore voir des choses. Il m'a emmené dans une chambre où il y avait un jeune. Et il dansait, il répétait des pas. Regarde bien le visage de la personne. Et je demandais au Seigneur, Seigneur. C'est quelqu'un de très connu. Le Seigneur m'a dit, c'est Michael Jackson. Michael Jackson. Il a dit non, sur terre, il a fait un pacte avec le diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, celui que tu viens de voir, c'est Michael Jackson. On lui donnait le surnom du roi de la pop. Il est celui qui a vendu le plus d'albums au monde. Il était l'un des stars du showbiz le plus aimé du monde. Des femmes tombaient dans les vapes lorsqu'ils le voyaient. Je me rappelle à l'époque, quand on regardait ces clips vidéo et qu'on voyait des gens qui s'évanouissaient, l'un de mes meilleurs amis et moi, on se moquait. La première fois, Michael Jackson arrive en Côte d'Ivoire. Quand dans la vie passée, nous tous, on a eu la chair de poule. J'avais jamais reçu ce sentiment. C'était la première fois que je voyais mon ami garçon. Et j'avais les frissons. Et mon meilleur ami et moi, on s'est dit, mais comment on veut un chanteur? Il perd des frissons. C'est bizarre. Et puis on s'est dit, ce monsieur n'est pas simple. Mais ce jour-là, les gens étaient en train de s'évanouir à son passage. Depuis la réponse, Félicie Fauboyer, jusqu'à ce qu'il parte à Cocody. Il y avait du monde sur la route. On était arrêté là pendant des heures et des heures. Et nous tous, on voulait voir Michael Jackson. On n'a pas vu physiquement. On l'a vu son bras faire comme ça. C'est son bras là qui nous a donné les frissons. Et parmi nous, c'est là qui se sont évanouis. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait baptisé avec le diable. Mais c'est pourquoi tous ceux qui le voyaient ne pouvaient être tombés amoureux de lui. D'autres même étaient prêts à donner leur rein. Maintenant, quand il était malade, ils ont donné une partie de leur rein. Ils ont donné une partie de leur poumon afin qu'il se rétablisse. Alléluia. Bien aimé, je veux te rappeler quelque chose.
Ici, il s'agit de pacte avec Satan. Satan, il y a une grande abeille. Quand on en parle, les gens disent non, moi ça ne me concerne pas. Comme ça, mais c'est quand même. Mais toutes les fois, tu allais chez un marabout. C'est le plein à un marabout. Tu as fait un pacte avec Satan. Allez, Satan toutes les fois, tu allais chez un féticheur. C'est un pacte avec Satan. Que tu Satan fais. Toutes les fois, tu allais chez un charlatan. Toutes les fois, tu allais chez un commiant. Toutes les fois, tu allais chez un lanceur de colis. C'était un pacte avec Satan que tu t'entends. Tu as compris maintenant. Baptiste. C'est pourquoi à partir de maintenant, quel que soit ce que tu vas traverser, voilà, oui. Ne va plus jamais chez les marabouts. Non, ne va plus jamais chez les féticheurs. Non, sans quoi tu risques de te retrouver là aussi. Alléluia. Si tu traverses des moments difficiles, prends un moment de jeûne. Rentre dans ta chambre et crie au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il sait écouter ses enfants. Il se viendra dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il est là. Le Seigneur m'a sorti et m'a emmené dans une chambre plus grande. Il y avait beaucoup de gens. Il était en train de danser pareil que Michael Jackson. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi eux aussi ils sont en train de danser? Mais le Seigneur m'a dit, eux ce sont les fans de Michael Jackson. Alléluia. Bien-aimé, quand on était dans le monde, toi et moi, on avait un fan. Alléluia. Rapidement, passez le micro à 5 personnes. Tu vas me dire à l'époque qui était ton fan. Passez le micro à 5 personnes. Demandez à Dassa quel était son fan. Qui était ton fan dans le monde? Le second micro aussi. Mon bien-aimé Paul, tu passes ça de l'autre côté là. Quand tu étais dans le monde, qui était ton fan? Est-ce que c'était Naomi Campbell? Est-ce que c'était, je ne sais pas moi. Oui, le bien-aimé dos, l'ancien dos, dans ton dos. Elle chantait, elle était mannequin, elle était actrice de cinéma. Bon, elle chantait. Elle chantait, c'était une Ivoirienne, c'était une Américaine. Elle n'était pas Ivoirienne, elle aimait faire les coups. Whitney Houston. Hein, je sais quoi, c'était une Américaine. Elle faisait du zouk. Elle faisait du zouk. Hein. Les bien-aimés qui étaient fans de zouk, là, donne le nom de la chanteuse. Là. Pardon, c'est une de la chanteuse zouk. Mettez le feu sur lui. Feu sur quoi? On dit la chanteuse zouk, il dit Céline Dion. Pourquoi les gens à la maison comme ça? Ah, c'est une des gens, surtout les Canadiens, elles chantent des slow. Jocelyne Labine. Bon, c'est pas grave. Prochainement, tu vas te rappeler, tu as donné son nom. Elle s'appelle comment? Donc, toi, à l'époque, tu étais fan de Lincha. C'était une chanteuse de souk. D'accord. Donc, elle, son fan à l'époque, c'était Lincha. Oui, c'est bien Lito. Le micro, c'est pas allumé. J'aimais l'artiste Enesso DJ. Donc lui, il était fan d'Enesso DJ. Donc c'est sûr qu'à l'époque, quand... Quand ça passait là, tu voyais le moyen tôt en train de faire les clics. Alléluia. Ça, c'était à l'époque. Amen. Qui d'autre? Oui, le bien-aimé Ezekiel, le plus grand danseur de Fala. Oui, shalom, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Le micro, on peut lui donner notre micro, s'il vous plaît. Le micro ne donne pas. On peut changer les micros, les piles rapidement. Jésus. Ça marche? D'accord, donne, voilà. Je crois que c'est sûrement à cause de la distance. Alléluia. Amen. Moi, mon fan, c'était Danko Sissé. Petit Denis. Ah, Petit Denis. Oui. Tu fumais la drogue aussi? Non. D'accord. Là, il prenait des comprimés. D'accord, tu prenais les comprimés. Voilà. D'accord. Donc, on comprend pourquoi est-ce que tu danses bien comme ça. Alléluia. Amen. Deux autres personnes. Qui était ton fan à l'époque? Les servants de Dieu de Fala. Elle ne parle pas. Il y a une femme derrière. Les femmes de feu de Fala.
Shalom. Shalom. Bon, pour moi, c'est donc Alpha Blondie. Hey! Bon, Jésus. Elle avance, son fan, c'est Alpha Blondie. Oui, au fond là-bas. Je crois qu'on a quelqu'un. L'ancien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était ton fan à l'époque? Moi, c'est Kofi Olomide. Donc, tu te dépigmentais la peau. Parce que quand on est fan de quelqu'un en principe, on fait tout ce qu'il fait, on sait tout de lui, c'est pas ça? Alléluia. Oui, une dernière personne. Bon, une dernière personne. On a une mec qui est niveau fond là-bas. Tu peux te rapprocher un peu, mon bien-aimé, s'il te plaît. Shalom, le pouvoir. Oui, shalom, mon bien-aimé. Moi, c'est Arafat. Donc, toi, c'était Arafat. Alléluia. Donc, on avait des fans de... d'Arafat, d'Ernesto Tété, d'Alpha Blondie, de Jocelyne Labine, de Kofi Olomide, de Lincha. Je vais te poser une question aujourd'hui. Si tu étais mort à l'époque, en étant fan de ces artistes, selon toi, où serait allé ton âme? J'aimerais que tu me répondes aujourd'hui. Oui, en enfer, oui. Quelqu'un dit c'est clair. Tu vois comment le Seigneur t'a aimé. Mais pour toi, quand tu réponds en arrière, quand tu étais fan de ces personnes-là, est-ce que pour toi tu péchais? Est-ce que tu pensais que tu étais en train de mal faire? Tu pensais que tu faisais bien? Mais la Bible dit dans le livre d'Esaïe 55, verset 8, que les pensées de tes hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Comme les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sont les pensées de Dieu au-dessus des hommes. Pourquoi, en étant fan d'un artiste, tu pensais que ce n'était pas quelque chose de mauvais? Oh, par ce tact, j'étais en train de pécher contre ton âme. Et ceux-là qui étaient fans de Michael Jackson, ils sont morts sans se repentir. Ils sont aujourd'hui en train de souffrir en enfer. Mais le truc, c'est que ce n'est pas seulement que les fans de Michael Jackson. Il y a aussi les fans d'Ernesto Tété. Il y a aussi les fans de Lincha. Lincha. Il y a aussi les fans d'Alpha Blondie. Alpha Blondie. Il y a aussi les fans de Denko. Denko. Les fans de Jean-Baptiste, comme il s'appelait. Il y a aussi les fans de Kofi Olomide. Kofi Olomide. Il y a aussi les fans de DJ Arafat. Arafat, il y a tous ces fans qui tiennent main le Seigneur Jésus. Amen, l'homme. Ils sont malheureusement en enfer aujourd'hui. Bien-aimé, tu vois combien de fois le Seigneur t'a aimé. Tu vois combien de fois le Seigneur t'a aimé. C'est pourquoi j'aimerais que tu te lèves et que tu l'acclames. Mon acclamation veut dire merci, Seigneur Jésus. Parce que j'aurais pu mourir fan d'une star et me retrouver en enfer. Que le Seigneur te fortifie. Tu vois combien de fois tu viens de loin. Je dis au Seigneur. Même les admirateurs de Michael Jackson viennent ici. Et je dis au Seigneur, mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit. Mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit. Et le Seigneur m'a dit, entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Entre tes mains, je laisse la vie de ta famille. Le Seigneur m'a sorti de là et m'a mis dans une autre chambre. Il y avait une jeune fille. Tu vois ce que la jeune fille a dans sa main? C'est un flacon de parfum. Parfum, goûtez le camp. Alléluia. Et elle va dire. Ouais, c'est clair. Tout à l'heure que le Seigneur l'a jeté dans ce département. On fait faillite. Le seul qui se parfume. La dernière fois, je sais que lors de l'échange sur la doctrine des parfums, ils ont posé des questions. Tu auras la réponse là. Écoute ce que le Seigneur va lui révéler là, dans ce département des parfumeurs. Les parfums se mettent à l'utile dans son corps. Pero ella miraba un perfume en los ojos, se estaba echando. Mais elle se mettait comme un parfum. Quand elle mettait le parfum, son corps brûlait.
Tu entends? En premier, c'était son parfum. C'est pour ça qu'elle était dans ce combat. À toi, jeune, bien mettre des parfums. À toi, jeune fille, qui aimait des parfums. Qui sont en enfer, les parfums, des parfums. Alléluia. Elle dit quoi? Ils sont en enfer. Aussi, ceux qui mettent des parfums. Avec vos parfums. Bien aimé, ce qu'elle a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Esaïe 3, verset 24. Esaïe 3, verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'une large, d'un large manteau, un sac étroit. Au lieu d'une marque flétrissante. Au lieu d'une beauté, quand il y a comment, une marque flétrissante. Ouais, nous jouons. Alléluia. Un vent. Et Ecclésias 7, verset 1 dit. Ecclésias en goût dans notre une bonne réputation. Il m'a un pays. Vaut mieux qu'un le bon parfum. Parfum. Et le jour de la mort. C'est qu'un soin. Le jour de la naissance. Aujourd'hui, tu te couvres le département de ceux qui mettent les parfums, de ceux qui fabriquent les parfums, de ceux qui aiment les parfums. Alléluia. Le Seigneur m'a sorti et m'a mis dans un local. Estaban tocando en unas calaveras. Los que cantaban agarraban un palo. Et les jeunes étaient dans un endroit, ils chantaient. Et ils prenaient un bâton. Et quand ils le touchaient, le bâton le brûlait. Ils devaient chanter. Parce que s'ils arrêtaient de chanter, ils brûlaient. Donc on les pointait. Bien-aimé, le Seigneur l'a envoyé dans le département des stars du showbiz. Ceux qui font le rock. Ceux qui font le rap. Ceux qui font le reggae. Ceux qui font le zouk. Ceux qui font les musiques traditionnelles. Ceux qui font des musiques mondaines ou profanes. Le Seigneur l'a amené dans le département des hommes qui font le showbiz. Les stars du showbiz. Et là-bas, il n'arrêtait pas de jouer à la batterie. Il n'arrêtait pas de jouer la guitare, l'instrument avec lequel il jouait ici, glorifiait Satan. Les démons les faisaient jouer ça là-bas. Il leur était interdit de s'arrêter. Les démons qui s'arrêtaient, les démons prenaient des fouets et ils les chicotaient. Et les instruments qu'ils prenaient pour jouer, c'était rempli de feu. Donc même l'instrument rempli de feu, tu s'arrêtais, on te chicote. Et c'est douloureux. Il souffle là-bas. Toi qui veux ressembler aux artistes, toi qui veux faire du reggae, toi qui veux faire du rock, toi qui veux faire du rap, regarde ce qu'il est dit en 2 Timothée, au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Bien aimé, tu ne dois pas, imiter ces personnes-là. S'il y a quelqu'un que tu dois imiter, c'est qui? Bien aimé, je ne t'ai pas entendu. S'il y a quelqu'un que tu dois imiter, c'est qui? C'est qui? C'est vous. C'est qui? C'est vous. C'est qui? C'est vous. C'est qui? C'est vous. C'est qui? Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. S'il y a quelqu'un que tu veux imiter, c'est le Seigneur Jésus. Jésus. C'est pourquoi jour et nuit, tu dois plonger tes yeux dans sa parole. La façon dont on va passer tout ton temps à connaître la vie de ta sœur, de ton fan. Maintenant, cette force que tu as fait dans le passé, tu dois la convertir pour connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Philippiens 3, verset 17 dit: soyez mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Ce modèle-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui dont nous devons être l'imitateur.
Alléluia. Quand ils s'arrêtaient de chanter, on les fouettait. Ils étaient habillés d'une certaine façon et étaient en train de chanter. Il y en a un qui a commencé à crier. Ils ont commencé à dire pitié, pitié, pitié de moi, sortez-moi d'ici. Au moins pendant une seconde, au moins pendant une seconde. Ils ne demandaient même pas une minute. Vous entendez? Les gens qui sont en enfer. Demande à ce que le Seigneur Jésus me donne une seule seconde qu'il les fasse sortir du séjour des morts pendant une seule seconde. Pour eux, là, une seule seconde. Ça va leur donner le temps de se repentir de leurs péchés. D'abandonner leur mauvaise vie. De dire à leur famille que la foi que vous êtes en train d'emprunter là, elle n'est pas bonne pour le salut de vos âmes. De dire à leur famille que la religion qu'on nous a présentée, les coutumes qu'on nous a présentées, le mot de vie dans lequel on est, ce n'est pas celui-là qui fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Toi aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce d'être vivant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demeurer avec tes péchés. Tu vas caresser ton péché. Tu vas dormir avec ton péché. Tu vas manger avec ton péché. Tu vas te laver avec ton péché. Mais si tu continues de vivre avec ton péché, qu'adviendra-t-il de ton âme? Pose-moi la question. Alléluia. Mère, vous demandez une seconde. Vous demandez seulement une seconde. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi il n'y a plus d'espoir pour eux? Et le Seigneur m'a dit, je ne peux pas les emmener à mon royaume parce qu'ils ont déjà eu leur opportunité et ils n'ont pas écouté. Le Seigneur m'a mis dans un autre endroit et il est parti. Et là, j'étais toute seule. Et j'ai entendu le bruit dans le lion. Et là, il y avait un peluche, une sorte de peluche, qui disait, rappelle-toi, quand je devais aller à l'église, je n'allais pas à l'église. Rappelle-toi quand t'as invité et tu ne voulais pas aller. Quand nous personnes n'entendaient pas, ils se cachaient. Il y avait un démon plus puissant qui venait et tous les autres démons se mettaient à genoux et disaient mon roi est venu. Et le démon disait, mon roi, mon roi, mon prince est venu. Et d'un coup de l'obscurité, un démon géant qui est apparu. Il y avait de la fumée qui sortait de son âme, de son nez. Et les autres démons disaient, mon prince est venu. Mon roi, mon prince est venu. Et un démon qui m'a pris par le bras. Je luttais, tout mon cœur brûlait. Et quand il m'a fini, le Seigneur est descendu et il m'a pris par l'autre bras. Et ils ont commencé à me tirer. J'allais vers le côté du Seigneur, mais le démon tirait aussi. Et le démon m'a lâché et il me disait, tu vas venir ici. Quand vous les faites passer par la délivrance, allez chercher leur âme dans le séjour des morts. Allez chercher leur âme. Parce que si vous ne les faites pas, non seulement ils vont retourner dans leur vomi, mais évidemment ils vont se retrouver en enfer. C'est pourquoi lorsque vous, les hommes de Dieu, vous allez prier pour des personnes, venez aller chercher l'âme de la personne dans les cimetières. Beaucoup d'entre vous, avant d'avoir été, avant qu'on ne vous fasse passer par les eaux du baptême, avec tendance à faire des songes.
Moi aussi, non. Pour vous retrouver enchaîné. Pourquoi? À cause de la vie de péché que tu menais par le passé. C'est à cause de la vie de péché que tu te retrouvais dans les cimetières, dans les forêts sacrées, dans les rivières, dans la mer, dans les tombeaux, et soit même dans les labyrinthes. Et c'est ce que le Seigneur va nous montrer ici. Tous ces parents qui vivaient dans le péché, quand ils étaient vivants, elle est retrouvée dans le séjour des morts. Mais quand ils se repentaient de leur péché et qu'ils passaient par les eaux du baptême, le Seigneur faisait sortir leurs âmes du séjour des morts et il inscrivait le nom dans le livre de la vie éternelle. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es passé par la délivrance et tu étais baptisé conformément à la sainte doctrine au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour toi. Et c'est ce mystère-là que le Seigneur va lui révéler. Je mets entre tes mains la vie de ta famille, m'a dit le Seigneur. Et je lui ai dit, je ne vais pas y arriver, Seigneur. C'est pourquoi tu dois, au sorti d'ici, inviter les hommes de Dieu, aller rencontrer les membres de ta famille, leur prêcher la sainte doctrine, afin que le Seigneur moissonne leur sang pour la vie. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a dit, je vais t'aider. Et là, j'ai entendu des applaudissements. Une voix qui disait, ma fille est en train de me louer, ma fille est en train de m'adorer. Et le démon parlait. Je disais au Seigneur, qui est en train de louer le démon? Et je dis, et le Seigneur m'a dit, Satan. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que je me sens? Et le Seigneur m'a dit, Satan, là-bas. Et je lui ai dit, mais comment tu peux savoir le nom de ma tante? Et le Seigneur m'a dit, je sais tout. Je disais, oui, ma tante danse, c'est danse en les fêtes, mais ne loue pas le diable. Mais le diable pense que c'est à lui que ta tante adore. Je disais, Seigneur, sors-moi du tout. Et le Seigneur m'a dit, tu dois encore voir des choses. Mais là, le Seigneur m'a mis dans une chambre. Et là, il y avait des hommes qui étaient en train de violer des démons. Je ne supportais plus. Ils demandaient pitié, mais eux, ils n'avaient plus pitié. Ils étaient en train de violer des femmes démons. Le Seigneur l'a envoyé dans le département des violeurs. Et là-bas, elle a vu des gens, des violeurs, qui étaient en train de violer des femmes démons. Mais c'était atroce. C'était vilain. Alléluia. Amen. Bien aimé, le livre de Jacques 1, verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Regarde ce qu'il est en train de vivre. Tu vas apprendre à respecter la femme. À l'honorer. Et à lui donner la place qui lui est due. Place à votre femme. Les personnes qui surfèrent au viol, qui font de mal, parce que s'ils meurent, mon enfer aussi seront en train de violer. Il m'a sorti de là et m'a emmené dans une autre chambre, et là il y avait des enfants. Le Seigneur l'a emmené dans le département des enfants.
Les enfants qui passent leur temps à regarder de la télé. Moi qui es mère de famille. Et que d'enseigner la sainte doctrine à tes enfants. Tu les places devant la télé toute la journée. Et tu te dis, en faisant cela, il ne faut pas t'emmerder. La Bible dit que vous ne ferez pas passer vos fils et vos filles par le feu de Moloch. Lorsque tu fais cela, tu livres tes enfants des démons. Alléluia. Achète une Bible pour enfants à tes enfants. Apprends à prier avec eux. Va évangéliser avec eux. Lorsque tu jeûnes, apprends à jeûner avec eux. Parce qu'eux aussi sont appelés à aller au ciel. Mais ne sont-ils pas purifiés avec Christ? Alléluia. C'est pourquoi si par le passé, tu avais donner de mauvaises habitudes à tes enfants, tu dois te repentir de cela. Tu dois commencer par leur enseigner la sainte doctrine. Regarde, je crois que hier, l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques Michel Abraham, a montré le département des enfants. J'étais en enfer. Voilà encore une autre confirmation. Les jeunes filles regardaient les dessins animés, les bateaux. No tenían que cerrar sus ojos porque cuando se ne devaient pas fermer les yeux parce que s'ils fermaient les yeux, ils leur mettaient des pains dans les yeux. Est-ce que tu as entendu? Il est dit, les enfants qui sont en enfer, qui passaient leur temps à regarder la télévision, ce n'est pas que la télévision seulement, même les jeux vidéo. Les démons mettent des pinces. Entre les deux paupières, entre la paupière supérieure et la paupière inférieure. Donc il ne peut pas fermer les yeux. Et donc les yeux sont ouverts comme ça devant les télé. Et quand tu veux fermer les yeux, pèse les yeux et déchire les paupières. Quand ils sont là 24 heures sur 24 à regarder la télé, à jouer au jeu vidéo, ils pleurent, ils veulent arrêter, ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent pas arrêter. Alléluia. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu vas priver tes enfants des bandes dessinées. Tes enfants peuvent regarder des bandes dessinées si cela est conforme à la parole de Dieu. Si ce sont des bandes dessinées chrétiennes, alléluia. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, il faut mieux les exempter de cela. Alléluia. Il n'y a pas bon dedans, même s'il y en a. Les ateliers de. Sur YouTube, les ateliers de. Voilà, les ateliers d'André. C'est très instructif. Tu peux jeter un coup d'œil. Toi-même, tu vas apprendre beaucoup de choses. Merci. Pardon? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut faire le tri. Il faut prendre la peine de trier. Sinon, moi-même, personnellement, je recommande les ateliers d'André. Parce que c'est un jeune artiste qui fait des bandes dessinées, qui connaît la sainte doctrine. Et pour gagner les enfants, le Seigneur lui a inspiré de faire des bandes dessinées chrétiennes pour enfants. Alléluia. Maranatha. 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 Il y en a qui allaient rester. Reste debout. Reste debout. Voilà. Où sont ceux qui dormaient là? Jean-Baptiste. Il faut commencer à surveiller ceux qui dorment. On va donner la viande qu'on doit manger demain là. On va donner à Jean-Baptiste, il va garder ça. Jean-Baptiste, tu commences à veiller sur ceux qui dorment. Mais il y a des femmes, fermez les yeux, la femme, fermez leur visage. Les enfants, regardez dans les bols d'air. Et les jeunes femmes qui regardaient leur bébé, quand ils essayaient de fermer les yeux, les femmes perçaient le visage. Bien-aimé, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les femmes qui regardent Nollywood. Vladimir, Nollywood. Hollywood. Nollywood. C'est le Novelas. Novelas. Ouais, Novelas télé. Toutes ces choses-là. Le Seigneur ne veut plus que tes yeux regardent ça. Evelyne et sa sœur. Vous avez compris, non? Alléluia. Ruth. Tu as compris, non? Alléluia. Et il n'y a pas que les enfants et les femmes qui sont en enfer à cause de la télé. Tous les hommes qui sont fans de matchs. Coupe d'Europe. Coupe d'Afrique. Coupe de France. Coupe du monde. Eux aussi étaient en enfer. À cause de cette passion-là. Le livre de 2 Pierre 2, verset 19 dit, il leur promet la liberté.
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Maintenant, ceux qui se sont assis là, levez-vous. Tous ceux qui se sont assis, levez-vous. Toi qui es resté debout, assieds-toi. Voilà, levez-vous. Je vous vois, je vous connais. Levez-vous. Voilà, tenez-vous debout. Ça va faire du bien à vos os, à votre membre, à vos âmes. Mes parents aussi qui regardent fort. Alléluia. Que le Seigneur me soit comme. Yo le dis que le Seigneur y en a un. Je disais au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus, sors-moi de ici. Que le Seigneur me dit que yo te voy a sacar, te pero vas a contar. Je vais te sortir d'ici, mais tu vas raconter tout ceci. Tout ceci tu dois raconter. Yo le dis que le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur. Je ne vais pas le raconter. Je ne vais pas le raconter. Et le Seigneur m'a dit que tu as été content. Et le Seigneur m'a dit que tu dois le raconter. Non seulement dans l'église, pas seulement dans ton église, mais dans différents endroits, dans différentes églises. Les démons venaient, ils disaient, mon roi, mon prince, c'est pour qu'ils viennent avec nous. Je dis au Seigneur, Seigneur, comme tu veux, je vais le raconter. Sors-moi d'ici, je ne veux plus être ici, je ne veux pas être ici. Et le Seigneur m'a pris par le bras. Et j'apparais de nouveau devant la porte. Mais je lui ai demandé. De mi tía, su hijito, mi hijita que ha muerto en su vientre. Où sont les enfants de mes tantes, sont morts dans leur ventre. Et le Seigneur m'a dit, ils sont dans mon royaume. Ils sont en joie, mais en même temps ils pleurent. Alléluia. Je viens de bien aimé, tous les enfants que tu as avortés, à ce moment-là, la présence de Dieu. Tous les enfants que tu as avortés sont au ciel. Et ils tiennent l'objet par lequel tu as fait l'avortement. Oh, c'était des serviteurs de Dieu. C'était des servants de Dieu. C'était des personnes qui allaient soutenir l'œuvre de Dieu que le Seigneur a mis dans ton sein. Et par avortement, tu as mis fin à la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. Amen. Et ces enfants-là sont au ciel. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va lui révéler. Tous les enfants avortés sont au ciel. Alléluia. Parce qu'eux n'ont pas péché. Mais ils pleurent pour les parents qui les ont avortés. Et tant que tu ne te réponds pas de cela, pour certaines personnes comme vous, à cause de ces avortements, le Seigneur a asséché vos entrailles. Et vous ne pouvez plus enfanter tant que vous ne vous serez pas répandu sincèrement. Alléluia, et c'est la vérité. Où est l'enfant de mon autre tante? Et le Seigneur m'a dit, lui aussi il est heureux dans mon royaume, mais en même temps il pleure. Il pleure parce que ses parents vont dans un mauvais chemin. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça qu'entre tes mains je laisse la vie de ta famille. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas m'arriver. Et le Seigneur m'a dit, je vais t'aider. Y los demonios salían de la puerta y seguían diciendo que vaya. Mon prince, je veux que tu viennes avec nous. Et je dis au Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici. Il vient me chercher. Et le Seigneur m'a pris. Il était de nouveau à l'église. Je ne reconnaissais personne, même pas mes parents. Je crois que les cris continuaient à sonner dans ma tête. Un des frères disait, dis Jésus. Et de ma bouche est sorti le nom de Dieu. Tous les cris ont disparu. Et là, j'ai retrouvé la mémoire et j'ai reconnu mes parents, mes frères. Dans Apocalypse 21:8, il est dit,
ni les lâches, ni les incrédules, les abominables, les homicides, les fornicaires, et les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu. Bien aimé, nous sommes pratiquement à la fin de cette cité. Et comme elle-même, elle a cité dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8, il est dit ceci: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Bien aimé, si tu t'es reconnu dans l'un de ces départements, c'est l'occasion pour toi de te remettre en pause, de prendre la bonne décision d'abandonner ta vieille nature et de te répentir de tes péchés. Alléluia. Hermanos, jóvenes, niños, personas, partout dans le monde, si tu doutes encore de l'émission de l'enfer, je te confirme que l'enfer existe. Parce que toutes ces personnes qui sont mortes en Christ sont en enfer. Toi, tu as encore au moins le temps de t'arrepentir, mais pour eux, il n'y a plus d'opportunité. Chacun de nous a l'opportunité de nous repentir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus te dit: tiens à moi, que je te ferai reposer. Jeune, bien-aimé, frères et sœurs, je vous invite, venez devant. Alléluia. Pas encore dans quelles conditions tu es, pas encore dans quels problèmes tu es, de ta vie, bien devant. Toi qui as été touché par cette vidéo, cette fois-ci on ne va pas faire comme hier, avant-hier, il y a trois jours. Jésus t'aime, de ta vie, bien devant, et bien devant te réconcilier. Cette fois-ci, on ne va pas faire comme ce qu'on a fait hier. On ne verra pas comme on a fait avant-hier. Cette fois-ci, toi qui as suivi cette vidéo depuis le début jusqu'à la fin, qui a été sincèrement touché et qui veut te réconcilier avec le Seigneur Jésus, viens devant. Viens devant. Toi qui étais sincèrement touché par le témoignage de notre bien-aimé Naïli Gomez, dont le Seigneur s'est révélé à elle en 2013, ça fait 11 ans aujourd'hui, et qui veut sincèrement te réconcilier avec le Seigneur, lève-toi et viens devant. Lève-toi et viens devant. Cette fois-ci, ce n'est pas tout le monde qu'on veut inviter. Amen. Toi qui étais touché, acclame le Seigneur Jésus pour ça. Tu as une opportunité de servir le Seigneur. Je t'invite, viens devant. Toi qui étais touché, si tu veux te réconcilier, toi qui veux faire la paix avec le Seigneur Jésus, je suis là pour te dire à ma vie. Viens devant. S'importe dans les conditions que tu te trouves, viens devant. Alléluia. Si tu veux te réconcilier ou donner ta vie à Jésus, parce que il te rendra libre. Il te donne une opportunité de la sauver. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Elle a dit que quand elle était en enfer,
Elle a vu ses proches parents qui étaient vivants, qui étaient en enfer. Et elle va demander au Seigneur Jésus. Mais comment ça se fait que mes proches parents qui sont vivants sont en enfer? Le Seigneur va lui révéler ceci. C'est à cause de leur vie de péché. Et quand l'enfant de Dieu pêche, son âme est déjà en enfer. Mais s'il se réconcilie avec le Seigneur, s'il se répand avec de ses péchés, le Seigneur est capable de le faire sortir de l'enfer et de l'amener sur la route du ciel. Et donc toi qui es concerné, toi qui étais touché par la vidéo, même si c'est vrai qu'on t'a baptisé, mais qui veut vraiment prendre une décision personnelle, qui veut passer de l'autre bord avec le Seigneur, nous t'invitons ce matin. Acclame le Seigneur Jésus pour l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus pour l'homme bien-aimé. Acclame le Seigneur Jésus pour le bien-aimé Jean-Baptiste. Acclame le Seigneur Jésus pour tous ceux-là qui sont en train de se lever. Et qui comprennent aujourd'hui que le Seigneur leur tend la main. Acclame le Seigneur Jésus pour tous ceux qui sont en train de se lever. Tu vas suivre les instructions de l'homme de Dieu. Et le Seigneur va faire quelque chose. Oui, ça fait. Oui, ici encore, des personnes encore peuvent venir. C'est ça, on flamme aussi dans le coin. Et le Seigneur t'a parlé au travers de ce témoignage. Et de ta position, tu réfléchis à ta vie. Pour l'amour que le Seigneur a manifesté pour toi, tu dois réellement les yeux, tu fermes les yeux. Il fut cloué. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. En ce soir. Je viens au devant de toi. Je viens au devant de toi. Je reconnais. Je reconnais. Que j'ai péché. Que j'ai péché. Par ce témoignage. Par ce témoignage. J'ai vu le film de ma vie. J'ai vu le film de ma vie. Raison pour laquelle. Raison pour laquelle. Je viens au devant de toi. Je viens au devant de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Car j'ai vécu. Car j'ai péché. Car j'ai vécu. Car j'ai vécu. Dans la masturbation. Dans la masturbation. J'ai vécu. J'ai vécu. Dans le péché. Dans le péché. L'adultère. L'adultère. J'ai vécu. J'ai vécu. En utilisant le parfum. En utilisant le parfum. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir. En ce soir. J'ai été éloigné de toi. J'ai été éloigné de toi. Tu as dit. Tu as dit. Celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions. Il ne prospère point. Il ne prospère point. Mais celui qui avoue. Mais celui qui avoue. Et il le délaisse. Et qui délaisse. Il obtient miséricorde. Obtient miséricorde. En ce soir. En ce soir. Je viens au devant de toi. Je viens au devant de toi. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. En signe de repentance. En signe de repentance. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je ne veux pas aller à l'enfer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et pardonne-moi. 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 Mes erreurs. Mes fautes. Mes fautes. Mes iniquités. Mes iniquités. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie. Je te prie. De m'accepter. De m'accepter. En ce soir. En ce soir. Comme ton fils. Comme ton fils. Comme ta fille. Comme ta fille. Régénère. Régénère. Mon âme. Mon âme. Par ton amour. Par ton amour. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Par ton sang. Par ton sang. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Purifie mon esprit. Purifie mon esprit. Purifie mes pensées. Purifie mes pensées. En ce soir. En ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, voici devant de toi tes enfants qui sont devant toi. Ils ont reconnu leurs erreurs. Ils ont reconnu leur faute. Ils ont reconnu que, Seigneur Jésus, ils étaient ignorants de leur marche par le passé. Seigneur Jésus-Christ, je veux que toi, mais tu puisses, Seigneur, prendre possession de leur vie maintenant. Jésus-Christ, c'est le temps pour toi de les racheter, Seigneur Jésus, de leur maladie, péché, Seigneur. Je veux, Seigneur Dieu, du haut Dieu de gloire.
Pardonne leur vie que tu as. Pardonne leur vie. Pardonne leur ignorance. Seigneur Jésus-Christ. Prends possession de leur cœur. Prends possession de leur vie. Et rachète-les, Seigneur Dieu, par ton sang qui a pris à la croix. Jésus-Christ, ne les abandonne pas. Ne les rejette pas. Seigneur, ils veulent devant de toi. Que tu prends, Seigneur Jésus. Les prends dans tes bras. Comme tes enfants, Jésus. Comme tes enfants. Seigneur, je te prie maintenant de leur accorder cette grâce, de leur accorder ton amour, de leur accorder, Seigneur Jésus, que tu as porté leur vie réellement depuis la croix de Golgotha. Seigneur, prends-la de tes bras afin que leur vie soit rachetée, Seigneur. Jésus-Christ, je veux que tu les purifies, Seigneur Dieu. Je veux que tu les laves afin qu'ils soient, Seigneur Dieu de gloire, il est restauré par ton amour. Que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Seigneur, ils étaient dans l'ignorance. Seigneur, ils étaient éloignés de toi. Mais aujourd'hui, par ce témoignage, tu les ramènes à toi afin qu'ils soient, Seigneur Dieu de gloire, régénérés. Afin qu'ils soient, Seigneur Jésus-Christ, acceptés par ton amour. Ben, purifie leur passé. Purifie leur vie, Seigneur Jésus. Et du reste de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie maintenant. Par la décision que tu éloignes maintenant tout ce qu'ils ont vomi ce soir, tout ce qu'ils ont pris comme décision pour aller avec toi, Seigneur, afin qu'ils soient vénérés par ta grâce et ton amour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure-les, Seigneur, couvre-les de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reste sur place, reste sur place, c'est pas fini. Reste sur place. Alléluia, garde dessus, fermez tout simplement les mains. Naïli Gomez avait dit que. Elle avait pris sur de ses parents, non? Oh, ses parents étaient vivants. Elle va demander au Seigneur Jésus. Mais Seigneur, comment ça se fait que mes parents soient en enfer? Le Seigneur va lui dire ceci. C'est à cause de leur vie de péché qu'ils se retrouvent là. Et donc, si tu vas vers eux, que tu les amènes à faire la paix avec moi, sûrement je vais les faire sortir. Et tu ne les verras plus. Plus dans vous. Et vos âmes sont en enfer. À cause de la vie de péché. C'est pourquoi tu vas répéter simplement. Afin que ton âme, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, sorte de l'enfer et se retrouve sur la foi du ciel. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, par ma vie de péché, je t'ai attristé. Et malheureusement, à cause de mes actions, mon âme s'est retrouvée. Moi que vivant, dans le séjour des morts, dans le témoignage de Naïli Gomez, tu as révélé ceci. Que quiconque s'est réconcilié avec toi, selon ta dispensation, tu fais sortir son âme, du séjour des morts, et tu le mets, sur le chemin étroit, et la porte est serrée. Conduit dans ton sien royaume. Seigneur Jésus, je prie ce soir, que tu me pardonnes, mes fautes, mes turpitudes, mes iniquités, ma colère, ma jalousie, mon ébullition, mes mensonges, mon idolâtrie, ma sorcellerie, mon alcoolisme, mes beuveries, ma duplicité, mon ignorance, mes clameurs, mes disputes, mes querelles, mes méchanceté. Seigneur Jésus, ce soir, je viens devant ton trône de miséricorde afin que tu me fasses miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi miséricorde et fais sortir mon âme du séjour. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et fais sortir mon âme du séjour. Fais sortir mon âme, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et fais sortir mon âme du séjour. Sortis de moi. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Aie compassion de mon âme.
Aie compassion de mon âme. Aie compassion de mon âme. Aie compassion de mon âme. Aie compassion de mon âme. Aie compassion de mon âme. Fais sortir mon âme. Fais sortir du séjour de mort. Fais sortir mon âme. Sortir du séjour de mort. Fais sortir mon âme. Je t'en supplie. Du séjour de mort. Oh Seigneur Jésus. Fais sortir mon âme. Sortir mon âme. Du séjour de mort. Fais sortir mon âme. Fais sortir du séjour de mort. Seigneur Jésus. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Seigneur Jésus. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Fais sortir mon âme. Fais sortir du séjour de mort. Séjour de mort. Rends-moi la vie. 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 Fais sortir mon âme. Fais sortir du séjour de mort. Séjour de mort. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais sortir mon âme. Fais sortir du séjour de mort. Séjour de mort. Garde le silence maintenant. Plusieurs d'entre vous, vos âmes vont commencer à sortir du séjour de mort. Au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, regarde, c'est en train de se passer maintenant. Au nom de Jésus. C'est en train de se passer maintenant. Maintenant. Plusieurs d'entre vous, vos âmes sont en train de sortir du séjour de mort. Au nom de Jésus. Plusieurs d'entre vous, vos âmes sont en train de sortir du séjour de mort. Au nom de Jésus. Regarde, le Seigneur est en train de faire sortir ton âme du séjour de mort. Jésus. Puisque tu t'es répandu sincèrement. Regarde, le Seigneur est en train de faire sortir ton âme du séjour des morts. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de faire sortir ton âme du séjour des morts. De Jésus. Le Saint-Esprit est en train de faire sortir ton âme du séjour des morts. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est en train de faire sortir ton âme du séjour des morts. Au nom de Jésus. Je sois même ton âme sort du séjour. Au nom de Jésus. Je sois même, je te le déclare au nom de Jésus. Le Seigneur fait sortir ton âme du séjour des morts. Au nom de Jésus. Puisque tu t'es répandu sincère. Au nom de Jésus. Puisque tu as pris des fermes résolutions. Au nom de Jésus. Puisque tu t'es humilié devant lui. Au nom de Jésus. Puisque tu es venu devant son trône de miséricorde. Au nom de Jésus. Puisque tu es venu devant son trône de miséricorde. Au nom de Jésus. Regarde, le Seigneur fait sortir ton âme du séjour des morts. Fais sortir ton âme. Fais sortir ton âme du séjour des morts. Fais sortir ton âme. Fais sortir ton âme du séjour des morts. Il fait sortir ton âme. Il fait sortir ton âme. Regarde, ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort du séjour des morts. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort du séjour des morts. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort du séjour des morts. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort du séjour des morts. Ton âme sort, laisse ta main. Ton âme sort. Pose les mains. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Ton âme sort. Ton âme est en train de sortir du séjour des morts. Sors du séjour des morts. Allez, ça le nom de Jésus. Sors du séjour des morts. Regarde, ton âme est en train de sortir. Sors du séjour des morts. Les bâillements sont les signes que ton âme sort du séjour des morts. Sors du séjour des morts. Regarde, ton âme est en train de sortir maintenant. Sors du séjour des morts. Ton âme sort de la tombe. Sors du séjour des morts. Ton âme sort de la cimetière. Sors du cimetière. Sors du séjour des morts. 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 Sors laisse ta main. Sors du séjour laisse ta main. Sors du séjour des morts. Sors du séjour des morts. Sors du séjour des morts. Ton âme sort du séjour des morts. Je le déclare au nom de Jésus. Ton âme sort du séjour des morts. Et ton âme sort.
J'ordonne maintenant que ton âme sorte de ce lieu. Ton âme sort de ce lieu de mort. Pour Jésus. Ton âme sort de ce lieu de mort. Remonte du couffre. Ton âme sort de ce lieu de mort. Remonte du couffre. Remonte du couffre. Ton âme remonte du couffre. Ton âme remonte. Le séjour de mort ouvre sa gueule. Ouvre sa gueule maintenant. Et ton âme remonte du couffre. Et ton âme sort. Ton âme remonte du couffre. Et ton âme sort. Remonte du couffre. Et ton âme sort. Remonte du couffre. 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 Ton âme sort. Ton âme sort. Le séjour de mort ouvre sa gueule. Il s'ouvre maintenant. Et ton âme se remonte du couffre. Ton âme sort. Ton âme remonte du couffre. Ton âme sort. Sera laisse ta main. 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 Ton âme sort. Sors du séjour de mort. 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 Ton âme sort. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Au nom de Jésus. Reçois ton âme. Au nom de Jésus. 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 Nous la scellons dans le sang. Scellons par le sang de Jésus. Nous la sécurisons dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Jésus. Amen. Dispose-toi, le bien-aimé. Oui, d'accord. Attends, ouais. Il va donner d'abord les informations. Puis je vais donner les... Alléluia. Retenez à vos places, s'il vous plaît. Et asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie. Vous voyez, depuis plusieurs jours, nous sommes dans un programme vraiment accéléré. Et demain, nous avons la mini-veillée. À partir de 21h. Donc, demain, la prière du matin sera à 8h. Au lieu de 5h, ça va se faire à 8h. 5h, et 8h. Et le soir, on se retrouve à 21h pour nous. Nous voulons aussi profiter. C'est tous ceux qui ne sont pas encore baptisés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, après la veillée, le soir, on va aller aux eaux du baptême. Et quand il baptême. Que les bien-aimés des futurs peuvent partir. Ah, d'accord. Oui. Très tôt. Alléluia. On va partir bientôt le samedi, donc, dans l'après-midi, on va les baptiser. Donc, demain, dans l'après-midi. Amen, Dosan. Si tu veux te faire baptiser. Ça va, le baptême. Dans l'après-midi, à 15h00. Et Daniel. Il faudrait que tu viennes ici. On va d'abord t'entretenir sur le baptême. Et après ça, à 16h, on va se diriger vers le soir. 16h sur le corps. Donc tu veux aller au baptême, tu veux continuer de faire baptiser. Avant de le baptême. Demain à 15h. Tu viens ici. Alléluia. Amen. Et à 16h, nous allons aller nous faire baptiser. 16h sur le corps du baptême. Et demain à 21h. 21h00. 21h00. On va la mini veillée. Et ailleurs, veillez quand. Et sur le gaz du chemin. Alléluia. Amen. Donc demain, la prière, c'est à 8h, c'est pas à 5h. Amen. 8h00. 8h00. On va commencer la prière. Et à 15h, ceux qui veulent se faire baptiser. 15h, tu es ici, tu as entendu tout ce qu'on a dit depuis le début. Tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. Demain à 15h, il faut être là. On va aller te faire baptiser. Et à partir de 21h, on va se retrouver ici pour la mini veillée. Alléluia. Alléluia. Il nous a été informé qu'il y a une bien-aimée qui veut rendre son témoignage. Et donc nous allons rapidement lui passer le micro avant que le bien-aimé le fasse la prière de la fin. Alléluia. Le bien-aimé va se présenter. On acclame le Seigneur pour sa vie.
Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, mon bien-aimé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. En état civil, mon nom c'est Bora Kwakumbasel. Mon nom de baptême c'est Ézéchiel. Vraiment, je vais vous raconter ma vie. Voilà. Bon, je suis né dans une famille. Comme on appelle mon papa, notre papa et baba a pris deux femmes. Une famille polygame. Voilà. Donc notre maman est la deuxième femme. Et maman est blagnon. Bon, ça s'est passé que la première femme et elle, ses enfants sont un peu âgés que nous. D'après cela, quoi sont, le papa aussi ce n'est pas un chrétien. Et si aussi un homme. Vraiment, c'est un homme de fétiches. À moi une fois. Il adore les fétiches. On moi. On est, quand bien qu'on est, on est somme des enfants. Et tu vois, Seigneur, il a son petite maison. On les soit. Il dit qu'il ne faut pas avoir rentré là-bas. Non, non, mais il c'est là-bas qu'il garde ses fétiches. Non, si, à mon nom. Vraiment, il insiste beaucoup. Il ne faut pas avoir rentré là-bas. Non, mais il c'est lui seul qui rentre là-bas. Non, il donc, moi, je suis quelqu'un, je raisonne beaucoup. Non, tu seras moi aussi à toi. Moi, je ne parle pas beaucoup comme ça, mais s'il y a quelque chose qui se passe là, c'est ça aussi. Moi, je vais voir qu'il est dedans. La petite maison, ce n'est pas porte en bois qu'il a mis. Il a fait porte en paille. Mais il sera là. Pour mettre la, sur la porte. Sera là, il va le donc, moi, je vais. Je m'arrête devant la porte. Je regarde. Mais il dit, il y a quoi là-bas et puis pourquoi pas là. C'est moi, je suis petit. Des fois, je regarde un peu. Je regarde là-bas. Et puis je quitte là. Jusqu'à un jour, ça arrivait que j'ai fait quitter même le petit. Puis j'ai regardé. Je vois les canaries. Les bois taillés. Et puis bon, avant, il avait sa machine où on prend pour pomper cacao. Cacao. Il y a tout cela là-bas. Là. Donc j'ai vu tout cela. Comme le poisson. Ça, je me suis dit que à cause de ça là, il dit qu'il ne faut pas rentrer ici. Mais je, ça dit, je n'ai rien vu même chez moi, selon moi, je n'ai rien vu. Jusqu'à bon, cela est passé. Lui, c'était un grand planteur même. Mais il a fait un grand muret. Parce qu'il y a un monsieur, un Burkinabé, qui a travaillé chez lui. Il a dit qu'il a pris à Boussan chez nous, papa. Il a pris à en ce moment, je peux dire qu'on est très petit. On était grand. Donc, le monsieur a travaillé pendant des années avec lui. Bien directement, frère, seulement il s'en. On fait la récolte. Un petit cacao. Le monsieur, c'est le monsieur qui m'a rendu ce témoignage. Bien, il y a quand il a le centre de mien. Il a dit. Il m'a. Quand ils ont fait la récolte. Un petit cacao, j'ai dit. Ils sont allés vendre. Mais quand il y a paix. L'argent que nos papas a reçu, il a reçu beaucoup d'argent. Et puis il allait mettre l'argent au milieu, dans le salon. Il a versé l'argent à terre, puis dans le salon, comme ça, il a versé l'argent par terre. Il allait attraper. Poulet. Il a égorgé poulet. Il prend les sangs pour entourer l'argent. Le monsieur nous a, il m'a raconté cette histoire. Bien, vraiment,
Cela, ça a un peu duré. Ils sont à Tchekanli. Et puis, un peu encore. Ici, et quand? En 93. 93, non? Fait de Brousse a pris son champ de cacao. Si on a rallié cacao, tout la patrie. Il prend rallié. Vraiment. Quand je suis de la tout cas du jour bien quand le moment on a passé ici. Quand j'écoutais la parole de Dieu. Et puis je me rappelle de ce qui est passé. C'est nos biens nos papas vendus dans la main du diable. De 93. Quand Bobo 93 vient de Brousse a pris les champs. Mon signe ralifié. Bon, nous, moi j'ai fait mon CPA en 91. Mais 91, mais en 91, il nous a mis à l'école. On fallait le discours 91. 92. 92, 93, et puis il fait de plus après les. Et 93, mais si on ralifie. Il n'a plus de moyens. Lui aussi n'a pas fait. Il n'a pas gardé l'argent. Ouais, parce que c'est un homme qui buvait beaucoup. Oh, il faisait la java. Oh, non, son dans, oh, si donc il n'a pas pu garder quelque chose. Oh, bah, si, moi, si donc quand fait de Brousse a pris les champs, il n'a plus rien. Ouais, le champ même, le pain même qui restait, ça veut dire, c'est au bord de son ma petit coin comme ça qui est resté. Ça ne peut pas se faire quelque chose. Donc moi, de 91 à 15, je ne peux continuer l'école. Je fais classe seulement la classe de CP. Ça, je suis sorti de l'école. Parce que ça n'allait pas. À chaque fois, on va à l'école. On nous chasse. On va à l'école. On nous chasse. C'est pas manque de moyens. Personne pour nous soutenir. Donc moi, j'ai arrêté pour moi en 95. Mon grand frère a continué. Il allait jusqu'à il a fait le troisième. Il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir. Il a arrêté. Moi, mon petit frère, tu me suis. Il a fait la même chose. Troisième, il a arrêté. Petit frère de mon petit frère. Troisième, il a arrêté. Il n'y a pas de soutien. Notre petit, c'est la dernière. Elle a fait chaîne 2. Pas de soutien. Elle a arrêté. Parce que le papa a vendu l'autre bien de la mère du diable. Et si on donc vraiment, non, le, quand je pense à tout ça, comme vous dedans, ça me fait plus. Ok, soit. Alléluia. Amen. Donc vraiment, tout ce que les hommes de Dieu. Nous sommes motrices. Je vois que tous nos biens, tout ce qu'on devrait faire, le diable a toujours voulu. Satan au Wali. C'est pourquoi tiens, toute notre école tiens, a été bafouillée. Et moi, j'ai tapé la poitrine. Je suis sûr de moi-même. On était à Daloa. Et au Daloa. Bon, j'ai quitté au campement. On est allé à Daloa ville. On allait travailler. Non, parce qu'on était quatre garçons, une fille. Et tu as soit dans le placon. Nous, tu sommes dans côté même maman. Donc, j'ai laissé le point à mon grand frère. Il y a quelques années, je dis j'ai travaillé. Il y a un mardi du matin. Pour avoir quelque chose. Là, il y a ce cas. Je suis venu. Mali. Le même malédiction derrière moi. Sans en qu'on passe le. Le magasin de laquelle je dis j'ai travaillé dedans. Magasin la mardi du matin. C'est le plus grand magasin de Daloa. Daloa magasin dans la Vers Sokopat. Vers Sokopat. J'ai travaillé là-bas. Le Libanais, lui, va toutes choses. Il n'y a pas quelque chose que tu as demandé là-bas, tu n'as pas à voir. Mais quelqu'un m'a dit seulement à Yem. Bah, il a le plus grand magasin de Daloa. On dit soit magasin dans la Bélinga. Il travaillait là-bas. On vendait ciment, fer, blalet. Et tout ce qu'on prend pour construire une maison. Soit.
Mais j'ai fait tout cela. Je n'ai rien vu là-bas. Parce que la malédiction est derrière. Si tu étais à Daloa, tu es venu chez mon grand frère ici à Touba. Il m'a appelé. J'ai venu l'aider ici. En venant, le grand frère était malade. Vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est pourquoi je suis venu. Quand ils sont arrivés, c'était un moment. Et il n'a pas respecté ce qui m'a dit. Donc ça ne m'a pas pris de rester à lui. Je me suis retourné. Je suis allé à Yamsokro. De Yamsokro, il dit il y a allé travailler là-bas. Je suis allé travailler. C'est là ça a été plus. Parce que au moins je me promenais dans les autres villes là. Vraiment, je vivais une vie bon, un peu bon. Yamsokro, c'est 2018. 2018, je suis quitté ici. Mon gars, il voilà, à Yamsokro. Elle dit, je suis allé m'empirer là-bas. Elle dit, c'est comme j'ai laissé la vie chrétienne. Christophe Ngwanyakili. Parce que moi-même, je ne sais pas comment vivre. Où je vais pour avoir quelque chose. Pour aider moi, ma maman ou mes frères. Je ne gagne rien. Vraiment, ça m'a découragé. Même, on travaille dans un banque, comment on appelle, banque BCC. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé à la banque, Coris Bank. Coris, là, on dit que d'un côté, là, j'ai travaillé. J'ai commencé en 2018 à la BCC. 2018, là, on dit de là-bas, j'ai fait 3 ans. On dit qu'à faire ça, là. 3 ans, c'est. Comment on appelle. En janvier 2012. 2012, non. Le COVID-19 est venu. Le COVID-19 va aller. Voilà, c'est pas là. On dit, nous tu travaillons là. On est beaucoup. Et son non, pas à cause de la maladie, ils vont réduire le nombre. Donc nous, tu sommes encore nouveaux. Et ils nous ont fait quitter. Bon, ils nous ont fait croire que ils vont nous payer. Mais attends, les calais. Mais depuis lors, ce n'est pas encore passé. Voici mon foyer. Je suis quitté là-bas, je suis venu à la choriste banque. Je suis venu. Rien ne. Ça a dit tout ce qu'ils nous ont promis. On ne fait pas. Devant, quand tu travailles dans un banque comme Vigile, il y a un coin on réserve pour vous, pour vous abriter. Mais là-bas pour nous cela se veut voir c'est comme c'est l'enfer. L'occasion quand tu es si loin ou ça. Tu es assis dans le soleil. Activian. S'il pleut. Quand nous étions. On te donne l'imperméable. Mais montre à l'air. De porter. Je bois. Tu es sous la pluie. Pas quoi on se voit. Vraiment j'ai vu que ce n'est pas une vie ça. Nous ne connais pas quoi. Donc j'ai rendu ma démission. Il y a un gars sur le loin quoi. Je suis allé rendre ma démission chez nos chefs. Ils m'ont dit de rester à l'écoute et ils vont payer mon droit. De attendre mes calais. En 2003. Nous sommes en 2023. Ouais, c'est en 2022. C'est là que j'ai rendu ma démission. 2022, il y a donc, ils m'ont fait croire qu'ils vont faire. Ils m'ont appelé d'aller signer les papiers. Il a tout signé. Depuis ces jours, ils ne m'ont pas encore appelé. Rien ne s'est passé. Moi-même, je les appelle. On me dit de rester à l'écoute. Et là-bas, ils sont allés à Diglo. Dans un village, on appelle Zanier. Zanier. Je suis allé faire travail de veillant. Je suis arrivé là-bas. Le long. Moi, je ne connais pas comment saigner les veillants. Mes amis qui sont là-bas, tu m'as fait appel. Donc, quand je suis arrivé, le long.
le lendemain matin, il m'a appris à saigner. Vraiment, là, Dieu m'a fait grâce. Il y a des gens qui sont fait la formation. Mais moi, je n'ai pas fait formation. Premier jour, il m'a appris à saigner. Le deuxième jour, moi, j'ai pris mon couteau. J'ai commencé à saigner. Mes frères sont venus voir. Ils m'ont demandé, est-ce que tu sais saigner avant? J'ai dit non. Et vraiment, c'est par la grâce que je l'ai fait ça. Sinon, moi, je n'ai jamais touché pour tout de lui. Mais je saignais comme c'est quelqu'un qui connaissait avant. Dans ça, j'ai fait 7 mois là-bas. Dans les 7 mois. Bon, en ce moment, j'ai pris une fille comme... ma femme, fallait alors qu'on camille ça. C'est avec elle on se promenait. Et n'y est où? Donc, de Yamsokoura, elle est, on est venu à Zanier, elle est tombée malade là-bas. Quand il guérit Zanier, l'autre tu paquet. Il envoie et je l'ai fait venir chez ses parents. Il fait une fabelle où souffre monsieur. Ah, nous on est deux ici. Et ça, il nous a que c'est. On n'a pas de parents ici. Et là où souffre. Donc on va chez tes parents. Pourquoi tu en souffres de nous? Va travailler. Ma tique m'a quand même. Va t'envoyer de l'argent. Fais ça en bas. Pour te faire soigner. Non mais on vit. Elle est venue. Au Bali. Moi, je croyais que c'est une petite maladie. Pourquoi en tout cas, c'est quand? Donc, je travaillais pour envoyer un peu d'argent. Non, ce n'est pas ça, c'est pas une petite maladie. C'est une maladie en esprit. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu, elle vit aujourd'hui. Vraiment, il faut reconnaître que Dieu, il est bon. C'est quand il n'y a rien pas. Sans Dieu, vraiment, il ne vit pas. Moi, je suis, on m'a appelé que ah, ça n'allait pas. Elle dit vraiment, je ne peux pas laisser le travail. Si je ne peux plus venir retrouver ma place encore. Je vais travailler pour t'envoyer l'argent. On me dit, ah, ça ne va pas, que ça ne sent plus. Donc, il dit, si c'est ça, le saignement, on arrête le mois de février. En février, donc, si février arrive, c'est février, il va venir. M'ba. Février est arrivé. Février, je suis venu. Je suis venu trouver la femme en question. Vraiment, ça m'a, j'ai coulé les larmes. Parce que de la manière elle a quitté là-bas pour venir. Quand je suis venu le trouver ici, c'est pas de lui. Donc, on m'a passé à Eli. Je l'ai envoyé chez l'église ici. On fait le Fabel Yaloa. Le pasteur Eli nous a été. Wow, okay. Vraiment, il faut dire que c'est avec la foi, sous la filière, elle peut s'élever. Le passé même a eu courage. Parce que c'est comme c'est cadavre, j'ai envoyé. En tout cas, Foyer va blé de ça. Mais Dieu, par sa compassion, Dieu a eu pitié de moi. Qu'elle n'est pas morte. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Elle vit. Elle est parmi nous. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai dit que. Dieu m'a pas abandonné. Par ignorance, si le monde s'y maintient, papa a mis nos biens dans la main du diable. Et aujourd'hui aussi, je suis là. Je crois bien que Dieu a ramené tous mes biens à sa place. Parce que Dieu a renouvelé ma vie. Dieu m'a montré le bon chemin. C'est pourquoi je bénis les hommes de Dieu. Il est assez mieux. Je rends gloire à son nom. Il tout m'a. Sans lui, il serait dans le malheur. Mais par sa grâce, je suis heureux ce soir. Bonsoir, je prédis son nom. Il y a tout le sang de Jésus. Je suis tout le monde. Amen. Amen. Voilà, Jésus. Nous allons nous lever pour rendre grâce au Seigneur. Mais Jason, vous l'enseignez mieux cassé. Notre Père, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ,
Bénissons ton nom parce que tu as été avec nous depuis le début de ce programme jusqu'à cette heure. Merci pour les louanges qui sont montées vers toi. Merci pour l'adoration. Merci Seigneur pour le témoignage que nous avons écouté. Merci pour le bien que ça a fait à chacun de nous. Merci également Seigneur pour tout ce que tu as accompli en ce lieu, pour la délivrance, pour la restauration et pour toute la grâce. Nous avions été édifiés. Maintenant Seigneur, nous allons partir au repos. Nous nous recommandons à ta grâce afin que ta paix soit sur nous et que ta main de grâce nous protège. Nous nous confions en toi. Permets que cette nuit soit bonne pour chacun de nous. À toi toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.